Salut, salut les petits burgers, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième map horreur du mois spécial Halloween. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la map que vous avez préférée entre les trois. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous les mets directement dans la description. Bon, comme d'habitude, pour commencer la map, faut appuyer sur le petit bouton. Alors, let's go. Wow. Bon, on a toujours des bruits chelous. Ah, ok, on est dans un ascenseur. Ah, on a un petit panneau, c'est marqué quoi? Bienvenue dans les catacombes. Ok. Apparemment je m'en vais travailler dans les catacombes. Donc nous avons des portes. Alors je vais regarder, mais je pense que... Ouais, j'en étais sûr qu'on pouvait pas les ouvrir parce qu'il y a... c'est tout blanc. Salut petit chien. Donc ça doit être mes collègues, je pense. Ah, un ascenseur qui est ouvert. Je pense que je dois aller ici de toute manière. Ouais, c'est ça. Déjà quand tu travailles et puis que t'entends ce bruit et que c'est tout noir, ça donne pas trop envie d'aller travailler. Ah, nous sommes arrivés. Oh, on entend un petit chariot. Oh là, ça bosse dur hein. Alors c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trop l'impression que c'est une map horreur. Donc on va avancer, mais je pense que ça va venir après. C'est peut-être long au départ, mais ça va venir après. Bon, il y a une pièce. Ok. Dans le coffre on peut pas l'ouvrir. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un boom. Je sais pas du tout. Oh putain de merde! L'araignée de merde! En fait, c'est le son qui m'a surpris. Ok, on a ouvert la porte ici. Nickel. Alors, bah, de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix de suivre les portes qui sont ouvertes. Vu la gueule de l'ascenseur, j'ai pas confiance. Franchement, j'ai pas confiance. Lui, c'est sûr, il va se casser la gueule, l'ascenseur, c'est obligé. Alors là... Ok... On n'a pas grand-chose, encore des portes. Oh! C'est vraiment bizarre. Ah ouais, ok, là on est dans l'ambiance... ok, map horreur, là on est vraiment dans l'ambiance. Donc il avance tout doucement, enfin... Non, je peux pas... Oh! Ah oui, comme tu dis, oh my god! Ah oui, il a pris cher. Putain! Putain, il s'est passé quoi là-dedans? Générateur, ah ok, on va aller pour la lumière. Oh! Putain! Je crois que c'est une grosse bébête, hein! Bon, bah du coup, faut qu'on retourne à l'ascenseur. Attention, hein, je suis armé d'une pioche. Ah mais lui, il a pris vraiment cher, hein. Ah. What? Bon, apparemment le perso nous dit qu'il a plus de jambes, il a les os cassés. En même temps c'est un peu normal avec la chute qu'il vient de faire. Alors, en plus on a des traces de sang, donc à mon avis je crois qu'on n'a pas trop le choix de passer par là. Ah, il y a notre perso qui demande de l'aide. Alors attention, ne pas passer. Bah, je crois que de toute façon, nous on n'a pas trop le choix de passer à mon avis. Oh putain mon gars, en fait c'est une boucherie ici, c'est pas une mine. Oh. Ah, j'aime pas quand tu dois choisir où aller. Il y en a une porte ici. Oh putain, la porte elle se referme. Alors je regarde un peu partout parce que je sais pas du tout où je dois aller. Putain, je commence déjà à avoir des bouffées de chaleur. Ok, ça va, le screamer m'a pas fait peur, ça va. Mais what? Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Mi, là-haut? Oh putain, ils font chier, Clore. Ah! Allez, va-t'en, la potion. Ah. Bon, bah... Je crois que la bébête l'a suspendu. What? Il va se passer quelque chose, j'ai eu un truc de chargement, on dirait. Oh putain. Mais pourquoi on doit se diriger toujours là où il y a la dose de cadavre? Ça va, ça va, ça va.
Escrimeur, on a vu pire sur les autres maps, ça va encore. M'a pas trop fait peur celui-ci. Bon bah je crois que de toute façon j'ai pas le choix d'aller par là, non? Ok. Alors, nous sommes dans une bibliothèque remplie de sang. C'est pas ouf, hein? Oh putain, on dirait un labyrinthe, je sais pas par où aller. Oh putain! En fait c'est pas le mec qui m'a fait peur, c'est le bruit qui m'a gueulé dans les oreilles. Putain de merde. Oh shit. Bon, faut qu'on retrouve un ascenseur du coup. Ok, y'a quoi par là? Putain. Ok. Ça sent le screamer de ouf ça, y'a pas de son, y'a rien. Ça doit être là. Ok, l'ascenseur ok. Il est pété, d'après ce que je comprends. What? Ok. What? Mais c'est carrément glauque! What? Putain, ok. Bon. Où suis-je? Je crois que j'étais par là justement. Non. J'avais pas vu ça, putain de merde. Putain, on dirait des prisons, c'est pas une mine en fait. Il faut que je fuis, mais où? Là? Oh putain! En fait, c'est un gros squelette de merde! Allez, allez! Je cours plus vite! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! En plus, il a une sale gueule, le mec! What? Mais il est en train de me faire cuire! C'est quoi cette connerie là? Je peux pas éteindre le feu. Oh. Ok, alors là je suis dans un lit. D'après ce que j'ai compris l'histoire, pour l'instant ça sera en gros la piqûre d'araignée qu'on a eu tout à l'heure, qui en gros bah, avec la toxine etc nous fait un peu délirer je pense. À mon avis, voit le perso, il délire en fait depuis la piqûre de l'araignée. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Bon, en gros, l'histoire de la map, c'est bien ce que j'ai expliqué juste avant. Donc, en gros, c'est notre personnage s'en va travailler dans la mine. Il se fait piquer par une araignée. La toxine de l'araignée, en fait, bah, nous fait complètement délirer. Et du coup, c'est pour ça que, bah, il voit du sang, il voit des monstres un peu partout. En fait, voilà, c'est à cause de l'araignée, tout ça. Donc, voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de commenter, de partager un maximum la vidéo. Et nous, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Allez, salut tout le monde!